révélé de fou. J'ai rien révélé de fou. Les petites surprises, je les garde justement. On va voir si elles Oh, vont sortir. De toute façon, s'il y a des petites surprises, à mon avis, ce sera certainement pas en game 1. Non, Game 1, mais Ah oui? il y a quelques dégénérés hein, dans l'équipe. je name dropperai personne, mais il y a et des puis mecs le qui ont coach pas n'est pas fond, mais... présent, donc c'est un petit peu C'est quand ça. le chat n'est pas là, les souris dansent. Voilà. J'espère qu'on va assister à un joli ballet. Il y aura du temps de débrief, en tout cas, d'un côté comme de l'autre. Non, bah là, de toute c'est sûr. Façon. Là, on va se faire une grosse review globale. On va mettre tout le monde en vocal. Je vais crier et ça va être bien. Et en parlant de ballet, voilà une belle ballerine, puisque une Camille qui va être présente d'entrée. J'imagine plutôt sur la top lane en offrant une forte option split push à son équipe. Ou est-ce qu'ils vont être Oui, incapables de la jouer différemment? c'est clairement l'idée. Alors, ils ont la possibilité de la jouer jungle, peut-être même mid. Il me semble que Treeze a une petite Camille. Mais oui, mainly c'est top. Hein. Il y a des grandes, grandes chances qu'elle parte top. Ok, une réponse Renekton pour Menem. Oh, une réponse ou contre Ah, Renekton, on on hésite. hésite. Ouais, Renekton, ça me plaît. Renekton Vi, ok. C'est pas mal. Le problème à ça, c'est que là, on a quand même un angle Wukong Galio qui m'a l'air pas trop mal pour les Sigma. Et on décide pour l'instant, en tout cas, du côté Omega, d'être plus en réponse. Ils auraient pu prendre un priority typique sur la mid lane, en ADC par exemple, ou autre. On a décidé de répondre à cette Camille avec le Renekton. Et on rajoute la Vi par-dessus, en anticipation peut-être de choses un peu mobiles, de choses un peu difficiles à attraper. On a vu qu'ils avaient flashé le Wukong, donc il y a comme un taunt aussi, comme une histoire de dire « Allez-y, allez-y, prenez Wukong, on Prenez-le. vous laisse open. » Et en face, sa mort à l'appât, est-ce que ça va être l'arroseur arrosé ou est-ce que le plan de jeu va être bien ficelé? On a hâte de voir. Un Kassadin, ok, peut-être. Un Garen, excellent champion dans la méta. Vraiment très très fort. On est rarement déçu. Et ce sera probablement un Galio, hein. Tu l'avais call. Ouais, ah non, c'est Garen. Ah, c'est Garen. Ça va. Garen, je suis content. C'est un bon pick. Ça aussi, c'est bien ça. Ça, c'est une bonne réponse à ce qu'ils ont fait bien les autres. Ça, je pense que. Bon, après, je pense que c'est un flex parce que ça soit Buki ou Skiz, ils sont tous les deux très forts sur Lucian. Mais clairement, là, ils se mettent une belle option de Lucian mid, j'aime beaucoup. Et puis Lucian Alors peut remplir plusieurs rôles. Hein. Oui, il pourrait, dans certaines situations, être mis en ADC, être mis au top. Au mid, on peut également décider de partir sur un Briscoe si jamais il nous manque une option split push. Ça laisse, la draft relativement ouverte. Et même pendant la game, ça laisse un certain nombre d'options. Effectivement, il a plusieurs builds en plus qui peuvent être faits. Donc très intéressant là-dessus. On retire Galio côté Scorp. Ça se comprend. Plutôt un bon ban, je pense. Parce que là, l'idée, c'est que je pense que le Garen est un petit peu bloqué mid. Je le vois pas jungle. Camille mid, ils peuvent le faire, mais ça me paraît compliqué. Et je vois pas trop ce qu'on gagne sur Lucian. Donc là, ce Garen, il se retrouve déjà peut-être un petit peu en difficulté sur la mid lane. Alors que la prédit est lancée, n'hésitez pas et à Karma parier Inami. Vos white coins. Karma Inami, on s'y attendait quelque part, hein, cette deuxième phase de ban qui est en général assez destructrice pour les enchanteurs. Les enchanteurs qui ne sont pas très nombreux dans Wild Rift, mais qui ont tendance à être plutôt forts. Alors plutôt forts, mais pas au niveau de priorité à être first pick. On va quand même s'en C'est débarrasser, ça. On se débarrasse d'un Rakan aussi, afin de couper quelques options d'engage à l'équipe adverse, qui, l'air de rien, avec Vi, a déjà quand même des possibilités d'aller chercher des picks. Ben, je pense que là, en plus, avec cette méta qui s'annonce, on va être plus tanky, etc., les enchanteurs vont vraiment prendre un petit peu plus de place qu'avant. Ils vont pouvoir maintenir ces tanks en vie un petit peu plus. Et avec des AD carry très carry. Ok, Lucian Brom, du coup, et ce un serait Brom. Peut-être un Lucian Ce serait bot. peut-être un Lucian bot lane, du coup. On se laisse l'option. Il y a peut-être une option aussi, je suis en train de penser, une Keisa là pour Buki. Qui pourrait être pas trop mal, sauf si elle est pique en face ou SO Buki, donc les deux ADC, deux très bons joueurs de Keisa. Donc effectivement un pic qui et pourrait être disputé. Et c'est probablement senti en face, ou du moins c'est peut-être à nouveau une forme de clin d'œil entre ces deux équipes. Est-ce qu'on va lock la Kai'Sa? On attend la dernière seconde en tout cas, il y a certainement un temps de réflexion. On a profité de ce temps de réflexion, c'est la Kai'Sa qui est lock. On ne sait toujours pas tout de suite si le Lucian va être mid ou bot. Bon, bot, Lucian, le coup double pour appliquer la morsure du froid de Brome, c'est très fort, c'est très destructeur. Et on va décider de la jouer plutôt safe. Côté Sigma, on va rajouter une Soraka, donc sans doute peu d'agressivité en early mid game avec Kai'Sa, et plutôt une ambition voilà, de faire avancer la game et d'avoir, bah, tu l'as dit, notamment une Soraka derrière un Garen très tanky qui pourrait prendre de l'espace devant, par exemple. Il leur faut Ziggs à la Omega, je pense, là, parce qu'ils vont manquer d'AP. Ok, peut-être un Z, mais Z dans Garen, c'est pas excellent, alors que Lucian est très bon
Ouais, Je dommage, pense ok. que l'idée du Z est d'aller chercher cette Soraka. Il leur faut quelque chose pour aller la chercher dans le fond. Soraka, elle pose véritablement problème du moment où elle réussit à rester en vie, puisque ça lui permet de garder en vie tous ses alliés. Par contre, si on peut l'éliminer rapidement dès le début du fight, ça devient tout de suite une situation très avantageuse, et sans doute que Vi n'était pas suffisante pour aller la chercher. Effectivement, on se prend une solution assassin ici, on va pas avoir les peurs d'aller chercher dans la backline, que ce soit la Soraka ou peut-être même la Kai'Sa à one shot, hein. Si Soraka est un petit peu loin du fight, etc., qu'on trouve un catch, on va vraiment vouloir jouer une duo lane forte avec Lucian Braum, à voir comment ils peuvent s'en sortir avec ça. Moi j'ai juste un petit peu peur, voilà, pour ce Z au mid, qui se fasse un petit peu bolosser par le Garen. Je pense que le match-up est plutôt pour Garen. C'est clairement sur la duo lane que les choses vont se passer en early de toute façon. Hein. Lucian Braum qui par nature vont détruire absolument Kai'Sa Soraka, qui vont être obligés de jouer très safe et avec les décals potentiellement de Z et de Vi. Voilà, si j'étais Kai'Sa, si j'étais Soraka, je ferais très très attention à moi en début de partie pour pas laisser nos adversaires snowball là-dessus. Là où le Renekton, là-haut, voilà, il va tenir son match-up tout simplement. Clairement, va falloir qu'il joue l'early. Après, le problème, c'est que si la Omega n'arrive pas à prendre cet avantage en early, ça va devenir très compliqué. On n'a pas de dégâts AP. Ils vont pouvoir stack de l'armure. Le Z va s'essouffler, effectivement, et ça va devenir compliqué. Donc, à voir. Il va falloir prendre cet avantage early, à voir comment ils vont se débrouiller. Est-ce qu'on va oser aller dans la jungle, peut-être, hein, c'est une possibilité. Aller embêter ce Wukong avant qu'il ait trop de dégâts, trop de régen. Et j'ai hâte de voir quel est le plan qui va être choisi par la Omega ici, et surtout quel va être le plan de défense slash réponse d'agression. Est-ce qu'on va vouloir jouer strong side top et peut-être laisser cette Kai'Sa un petit peu plus derrière et se dire de toute façon on a les heals de Soraka, on stack de l'armure, c'est gagné. Voilà, il y a deux plans de jeu qui sont clairement différents. Côté Sigma, on va viser plutôt le late game avec un Garen intuable boosté par une Soraka, Kai'Sa qui va mettre 2-3 items avant de monter en puissance, Camille qui va appliquer le split push. Là où de l'autre côté, que ce soit Zed ou que ce soit sur Braum Lucian, on va essayer d'accélérer la game au plus vite et de ne tout simplement pas laisser respirer nos adversaires. La balle est dans le camp de la Team Scorp, en tout cas ça va être à eux de donner du rythme. Clairement, on va voir ce Braum qui est déjà en petit roaming, qui va laisser SO et Namu Prodigy ici prendre un petit peu la pression, les premières autos, cette Soraka qui se monte, ouais voilà, Zed qui est obligé de respecter au mid, faut qu'il recule, faut qu'il prenne ses creeps tranquillement, pas trop se faire poke avec le Q de Garen qui lui donne une MS juste abusée. Et on commence la game d'un côté comme de l'autre avec pas mal de respect au final, hein. Pas de tentative d'invade, pas de ward deep, pas de petites embrouilles à base de swap lane ou autre, chacun sa lane, chacun son rôle. On va commencer la game calmement, laisser respirer nos junglers, laisser les midlaners s'occuper entre eux, etc. On va voir à quel moment est-ce qu'on va tenter une accélération dans la game, mais pour l'instant, on se respecte l'un l'autre et on va pas chercher de surprise, ou peut-être en voici une. Ouais, Triss qui s'est rendu directement disponible avec son Garen, qui a pris le push là sur cette première deuxième wave et qui a directement décalé au top, mais il a été vu par une bonne ward à l'Herald, pas de soucis pour Menem qui va tenter de prendre son 1v1 face à Snyx, deux top laners confins qui aiment le sang, qui veulent se battre. Ouais, ok, mais même qu'à c'est à l'avantage ni de l'un ni de l'autre. Hein. Les deux ont su rester sereins. Les ignites sont encore là, les flashs sont encore là. On aurait pu grid d'un côté ou de l'autre pour essayer d'aller chercher un kill. Ils ont senti, voilà, à nouveau du respect, hein, entre ces deux équipes. J'ai vraiment cette sensation de respect pour l'instant. Clairement. Et là, ok. Iskis qui est à la décale avant Garen qui va leur permettre de sécuriser ce carapateur. Mais attention à pas se retrouver trop enfermé ici pour Kiddy. On va mettre le Q, le flasher directement et le first blood pour cette Kai'Sa. Le Braum un petit peu mal placé sur la map. Ils se sont retrouvés dans une situation de sous-nombre, tout ça pour ce carapateur qu'ils ont eu. Est-ce que ça vaut le coup? Je n'en suis pas sûr. Duel d'ADC à base de fatigue. Le meilleur ADC entre Lucian et Kai'Sa, c'est toujours celui qui a Soraka avec lui. Mais Smurf est dans le coin et va les forcer à reculer. Soraka plus une fatigue, effectivement, tu gagnes ton 2v1 sans problème. On va voir. Oh, attention, Menem ici qui est peut-être un petit peu trop avancé. Je pense qu'il veut récupérer cette plate, il va même pas pouvoir. Est-ce que Progridi va pouvoir punir? Il a son ulti, Menem. Il a pas son ulti, Progridi. Ouais, je pense qu'il a son flash, il a son ignite. Ah, Menem, il aurait pu engage. Hein. Camille était reculée, elle pouvait pas trop fight. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Il y avait Kiddy au soutien avec son Braum. Il y avait vraiment, je pense, quelque chose à faire sur ce Wukong, lui faire peut-être claquer un flash. Daibuki, c'est ok, Smurf pas mal avec le bump. Namu Prodigy qui était un peu trop avancé. Le silence qui se va être bien Smurf. Placé, il a attendu le dernier moment pour flasher. Ok, l'ulti c'est pas mal, il va mettre la dernière auto, il a tanké un premier coup. Il va donner un kill à Kai'Sa.
Ouais, il va donner un kill à Kai'Sa, et qui est plutôt bien. Skip flashing, est-ce qu'il va pouvoir venir mettre son ulti? C'est pas mal, les shurikens qui vont toucher, il va mourir cette Kai'Sa. Va mourir, elle effectivement. Va mourir, la très bonne décale de Skip, pendant que c'est Kiddy qui récupère la wave au mid. Maîtrise arrivera à récupérer une première plate grâce à son démolish. Ouais, tout ce move qui commence par la Sigma qui exploite justement le roam de Kiddy sur son Braum qui trouve pas grand chose. Cependant, l'enchaînement d'événements qui permet à Scorp de revenir un petit peu au score. 2-2, pas vraiment d'écart significatif en termes de gold, pas d'écart significatif en termes de vision de jeu, pas d'objectifs particuliers qui ont été volés. La seule petite différence, si on pouvait en donner une, c'est que Sigma, eh bien, tout simplement, ils ont les kills sur la Kai'Sa. Et donc, comme eux tentent de jouer plutôt late game et pas forcément snowball, le fait d'avoir déjà pris une avance, c'est relativement confortable pour eux. Clairement. Après, je pense qu'un kill sur Zed, ça reste très bien. C'est peut-être sur Vi, là où il va être un petit peu moins utile. Effectivement, on aurait peut-être plutôt voulu le voir sur ce Lucian. Mais c'est pas mal. Oh, attention, Menem ici qui va se faire directement flasher. Absolument toute la map. Ouais, Menem, il va pouvoir tanker un petit peu ici. Il va pouvoir régen. Il n'aura pas le dernier Q, mais il y a Smurf qui est là. Naïm Prodigy, on va tout de suite focus. Le support, c'est très bien joué. Naïm Prodigy qui va se faire complètement one shot. Dommage, ce kill qui part sur Braum. On va venir au deck sur Esso, c'est pas mal. On va aller chercher la Soraka aussi dans la foulée. Vi qui va tanker jusqu'au bout. C'est proprement fait. Le décal de Bookil également. Ils ont réagi très très vite, la Team Scorp. Hein. Le flop lane qui a été initié quelque part en réalité par Sigma. Et derrière Scorp qui réagit immédiatement. Hein. On voyait ce Garen bot depuis à peu près une quinzaine de secondes. Ils se sont dit attends, c'est lui les bots, où sont les autres? On y va aussi, ils y sont allés en surnombre et ils réussissent à diminuer un petit peu l'avance de la Kai'Sa puisque Lucian est revenu totalement au score en termes de gold, 4000 à 4000 pour les deux ADC. Clairement, la réaction qui est excellente. Lucian impliqué sur 4 kills, il complète sa Muramana, c'est très bien pour lui, il va pouvoir stack ça. Là où c'est peut-être un petit peu plus dur, j'allais dire, c'est pour Menem qui se retrouve en 0-1-0, mais au final, il a 500 gold d'avance sur la Camille. Donc c'est très très bon pour lui. Il y a une grosse différence en jungle aussi. Vraiment, les ressources sont dans les mains de cette Kai'Sa pour les Sigma. Il va falloir l'accompagner, il va falloir ne pas la laisser. Mais c'est bien, ça joue à Wild Rift, on voit deux équipes qui n'ont pas peur de l'affrontement, même s'il y a eu, comme tu disais, ce respect en early qui était vrai. Quand on a les timings, on les prend et ça fait plaisir. J'aime quand les timings sont saisis. On va procéder, on va procéder à l'accord des gentlemen. Clairement. Sur l'Hérald, une équipe sur le dragon, l'une comme l'autre se laisse faire. Voilà, on est peut-être pas forcément content de donner un objectif à l'autre, mais ça nous pose pas trop de problème de lui laisser à partir du moment où on peut en prendre un. À nouveau, ça suit le plan de jeu, hein, puisque la Team Scorp, ils veulent snowball, ils veulent accélérer la game, ils prennent le héros de la faille, c'est parfait pour ça. La Team Sigma, eux, ils veulent aller chercher plutôt ce mid-late game, et donc ils vont s'équiper de ce dragon. Les deux équipes qui, pour l'instant, ont des plans de jeu cohérents, alors que ça se bat sur la bot lane. L'ulti, c'est pas mal, et encore un kill. Progridi, non, ok, ça va, l'ulti était sur le clone, dommage pour Skiz ici. On est allé chercher Kiddy très loin, et ça paye. Encore un kill sur cette Kai'Sa qui se retrouve en 4-2. C'est excellent pour les Sigma. Le prend très cher ici sur le Q, la Culling qui est pas mal ici un petit peu en zoning. Attention, là on se bait dans un 3v4, mais on a énormément de dégâts pour Smurf qui va mettre une Prodigy Tello, tout le monde est très low. Il y a la fatigue qui est mise sur ce Lucian qui va devoir flash out. Dommage Skiz qui a pas pu suivre. Ils s'en sont bien sortis les Sigma, dommage que l'ulti de Vi soit pas parti sur Kai'Sa. Il y a eu un petit peu un double focus entre Kai'Sa et Soraka, on n'a pas réussi totalement à se mettre d'accord et on laisse les deux se barrer à quelques points de vie. Alors certes on prend pas de kill, mais on va utiliser cet héros de la faille au mid de la plus belle des façons, puisqu'il va réussir à mettre deux coups de tête, ce qui est le maximum qu'on puisse espérer de lui. Avantage pris sur la map par Team Scorp, est-ce que Smurf va réussir à s'en sortir? A priori non. Pas de Q pour lui et du coup ça bait un petit peu sa team. Ok, Snyx qui sort, qui n'a pas gardé Kiddy enfermé et il a pas pu non plus stun Bookie, donc les Omega qui vont pouvoir partir en ne laissant que Smurf qui sera tombé. Skiz qui a du mal un petit peu à tenir son side ici, le Garen qui met énormément de pression, il est devant au gold. Il est même pas encore équipé d'un Briscoe ce Garen, on sait pas s'il fera ce choix au final. Il est en train de partir sur un coup prénoir dans un premier temps, visiblement il en a pas besoin pour tenir le Z. Par contre notre ami Z, lui, pour subir le 3v3, il va falloir qu'il habile. On va essayer de clear un petit peu, ça suffira pas, il va laisser la tour. Ouais, effectivement, pas le choix ici, on est un petit peu en retard. On voit Lucian qui se dirige tout de suite au mid, il va pouvoir prendre le push sur cette mid lane. Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser éventuellement sur cette Camille? Non, elle va back intelligemment, c'est bien fait de sa part. Il faut push, on n'a rien à voler topside, messieurs. Il faut push, il faut mettre un petit peu de vision. Allez faire crash ces waves. 7 minutes 30 de jeu, un timing bien connu des joueurs de Wild Rift puisque c'est un peu le temps mort. Hein. On est entre deux dragons, on a déjà bien attaqué les tours à l'extérieur, on est un petit peu dans l'attente du prochain dragon, du prochain Herald. Il faut réussir à se calmer un petit peu, à poser son jeu, à pas être
trop agressif, du moins pas au-delà du raisonnable, et essayer de continuer à garder la pression, garder la vision, et pour l'instant c'est plutôt bien fait pour la Team Scorp, même si rien n'est joué, hein, puisque 5 à 5, 29 000 gold de chaque côté, on sent un avantage de pression en faveur de la Team Scorp, mais c'est très léger pour l'instant, et cette pression elle va tomber sur notre ami Garen, Triz, qui doit s'en rendre compte et qui va devoir trouver un échappatoire. Y en aura-t-il? A priori non. Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, on n'a pas hésité pour la Omega ici, on a tout mis, la fatigue, les ultis. Et c'est Menem du coup qui se retrouve impacté de l'autre côté, qui va devoir gérer un 3v1. Est-ce qu'il va pouvoir sustain sous sa tour? Non, mais il aura au moins clear la wave, ce qui delay le push des Sigma et qui va leur permettre d'aller chercher une T2 Omega sur le bot. C'est très symétrique, hein, c'est très symétrique, à l'exception de ce Wukong qui lui va composer avec cette mid lane pour essayer de rattraper un petit peu le coup. Il aura le temps de mettre quelques dégâts, peut-être pas de la finir avec l'arrivée du Lucian, qui va peut-être arriver en sauveur sur cette mid lane. Oui, pour l'instant. Du moins pour l'instant, l'avantage reste à la Team Scorp. Effectivement, Bookie ici qui a fait le décalage sur la mid lane pour récupérer. Oui, pas mal ici, c'est excellent. Son Zonia il est plutôt bon, mais est-ce qu'elle va pouvoir survivre? Oui, avec le flash out, l'ulti. SO qui arrive en ulti, c'est pas mal. On a parfaitement encaissé son gauge et on peut réagir maintenant pour les Sigma. Bookie très low, Smurf aussi. On va pas pouvoir aller chercher un kill de plus, mais ça reste un kill de prix sur le Brome de Kidipet. Et sur le timing de repop du héros de la faille, on force la vaille à back. C'est génial ce qui vient de se passer pour la Team Sigma. On s'est probablement un petit peu fait peur, hein. Je pense pas que Nami Prodigy avait ça comme plan. Il s'est retrouvé un petit peu hors de position, il s'est fait engage, il s'en sort relativement in extremis. Et derrière, ça met très très bien son équipe. On n'a pas encore le timer du dragon, donc il apparaît dans un petit peu plus de 30 secondes. On va voir si on utilise ce héros de la faille immédiatement. On va l'utiliser immédiatement pour 300 HP. C'est peut-être un petit peu dommage, mais au moins ça permet de rééquilibrer les forces en présence sur la mid lane. Je suis pas convaincu de ce Herald mid, mais au moins ça leur permet de garder la tempo, on peut back, etc. Ça force les Omega à rester. Skiz ici qui va nous mettre une petite ward. Alors qu'on investit le bot side, on a eu l'info que le jungler était top. Donc on va directement investir le bot side pour les Omega, c'est pas mal fait. On check le raid pour SO. Si nous on en profite pour checker les stuff dans ce petit temps mort de la game, on voit que pour l'instant il n'y a qu'un seul Briscoque qui est sur Menem justement, ce qui pourrait donner un avantage de split push temporaire du moins pour SCP, puisqu'on imagine que Garen ou Camille finira par en faire un pour compenser. Pour l'instant, notre ami Renekton, pour l'instant, qui n'utilise pas du tout cet objet puisqu'il reste auprès de son équipe pour essayer de créer un surnombre temporaire mais suffisant autour de ce dragon des montagnes qui est engagé. Clairement, on veut empêcher les Sigma d'avoir trop de scaling. Ici, l'engage de Progridi qui est pas mal. Comment on va pouvoir s'en sortir pour ce teamfight? L'ulti Soraka qui va remettre tout le monde full HP. Et là, il s'est fait complètement cesser le Z dans la backlane. Il n'a pas pu, mais c'est du 1 pour 1 parce que la Camille est tombée. L'ulti de Smurf sur Nami Prodigy qui a pas de Zonia. Il le sait, il va pouvoir récupérer ce kill. Bookie qui est un petit peu en dehors du teamfight. Ça semble quand même tourner à l'avantage des Sigma. Triste. Mais attention, parce qu'il y a toujours Menem. Il a réussi à récupérer Kai'Sa. Bookie qui va revenir. Ça va être un peu juste. C'est un 3 pour 4. En faveur de la Team Sigma qui en plus de ça devrait réussir à s'occuper de ce dragon. On n'a pas de smite sur le Wukong, cela dit, pas sûr que Bookie ait l'information là-dessus. Et à nouveau, on a vu Nami Prodigy sur un peu le même thème que le fight précédent, mettre un heal, mettre son silence, mettre son ulti et immédiatement Zonia, ce qui a fait temporiser énormément là où notamment Smurf et Skiz voulaient à tout prix aller chercher cette Soraka. Elle leur pose bien problème, la Soraka de Nami Prodigy. Clairement, c'est le Soraka qui pose des problèmes. On met beaucoup de ressources dessus pour la focus. On a vu Skiz un petit peu se bait là-dedans, pas pouvoir trouver les dégâts, se prendre un silence et se faire one shot. C'est un petit peu dommage pour ça. Mais clairement, on sait qu'on a besoin de tuer cette Soraka. On peut pas DPS le reste de la composition Sigma sans tuer la Soraka. Donc les focus en fight sont bons pour les Omega. C'est la réalisation qui pêche un peu. SO qui a flash in ici, qui a pas peur face à Bookie. Bookie qui va claquer le flash out. Ouais, ça va pas suffire. Et du coup, par contre, on a trouvé quelque chose sur Triz ici. L'ulti Soraka qui va pas le sauver. Oh, dommage, encore ce kill sur Brome. La deuxième fois. Et c'est Skiz qui va être récupéré de l'autre côté, pas mal. Le retour, il va les balader un petit peu, il va peut-être finir par donner sa vie, mais au moins il aura réussi à gagner énormément de temps, ce qui permettra à son équipe de récupérer la botlane. Il va réussir à s'en sortir, et justement, et on en parlait du Zonia de Soraka, 3 Zonia et une plaque de la gargouille côté Sigma, là où côté Scorp, justement, on a le premier Zonia qui vient d'arriver sur Zen, mais il n'y avait encore aucun enchantement de bot. On voulait maximiser cette early game, on voulait maximiser les dégâts, maximiser les objets, et pour l'instant ça paye, mais vraiment juste, vraiment tout juste.
Ouais, Skiz ici, là, qui s'est un petit peu bait, qui va pas pouvoir aller chercher Namu Prodigy, c'est dommage. On a voulu forcer pour prendre cet inhibiteur au bot, et ça n'a pas suffi. Mais Menem ici, qui va peut-être pouvoir trouver le cash sur Namu Prodigy, ça a l'air d'être fait. Elle va utiliser l'ulti, mais qui dit qu'il va se faire cash de l'autre côté? Non, la Soraka qui va pouvoir s'en sortir, et seul qui dit tombera sous Wukong est invincible. 5-0-5 pour SCP ProGreedy. Tranquillement, gentiment mais sûrement, la Team Sigma qui commence à se construire un léger avantage et qui veut capitaliser là-dessus avec un Ashore Vanilla, un Ashore Nature, un Ashore Vierge directement à la sortie de l'œuf. C'est certainement pas Menem et Smurf qui pourront faire quelque chose. Quoique, Smurf, il y a toujours un smite qui est possible. Il est gardé au loin justement par Camille qui va essayer de l'ulti pour le maintenir en place. Il a gagné du temps Menem, il a gagné suffisamment de temps pour que l'ulti de Camille se finisse. Il y a toujours un smite qui est possible. On va essayer d'éliminer Smurf, au moins on a réussi à le faire partir, ce Nashor qui devrait aller dans les mains de l'équipe Sigma. Bravo. Effectivement, sécurisé. C'était pas hyper propre, mais il y a eu de l'idée, effectivement, cette Camille qui est venue zoner la vaille, c'était très très bien pensé. Il a fait un très très bon travail, hein. Il a ouais. donné sa vie pour ça, mais il a absolument sécurisé le Nashor pour son équipe. Excellent, excellent. Et juste avant que ce fight se lance, on disait bah, l'équipe Sigma qui, du haut de ses deux dragons, du haut de maintenant son Ashore, est rentrée dans son mid-game. On a trois items sur Kai'Sa, on a trois items à peu près sur tout le monde. Et le pari de temporiser la game et d'aller jusqu'au late-game est en train de payer là où maintenant on arrive bah, justement au point où notamment Renekton et Zed commencent à s'essouffler un petit peu. Complètement, complètement, là, ce Z qui a du mal à trouver les carries, il a des golds pourtant, hein. Il a 10 000 golds, il approche de son troisième item, il est plutôt bien dans la game, hein, ça va, mais il a du mal parce qu'on joue bien groupé autour des carries, on n'hésite pas à pile SO, à pile même Soraka elle-même, en fait, à ne pas la laisser seule. Soraka et 3 Zonia, comment tu fais quand t'es Z là pour trouver une bonne cible? Il y a véritablement aucun bon choix. Clairement, t'es obligé de laisser ta team engage et d'arriver un petit peu en flank après, mais tu peux pas aller trouver l'assassinat autoritaire comme on aime le voir. Et ben voilà quelque chose d'autoritaire avec ProGreedy qui va ulti les joueurs Omega sous tour et ça s'arrêtera là. Non, il y retourne, il veut ulti une seconde fois. L'ulti de Broom en réception, c'est pas mal. SO qui va dashing, il a pas peur ici. Ils sont en 3v2, les joueurs Sigma, ils peuvent se permettre. Bookie qui est forcé de reculer, qui dit de on même. On continue à mettre la pression, profiter de leur Nashor au maximum. On est en situation de 1-3-1 pour Sigma. Camille au top, 3 au mid, le Garen au bot, et on push, et on push, et on push. On va décaler immédiatement sur la bot lane pour aller chercher là, 7 pour à l'extérieur. ProGreedy peut-être un petit peu trop en arrière. Non, c'est pas lui qui est trop en arrière, c'est le reste de l'équipe adverse. L'engage de Wukong maintenu en vie par Soraka. Tu as Soraka pas inquiété, et les barres de vie font du yo-yo, et encore, et ProGreedy directement sous la tour. Il va être maintenu en vie lui aussi par Soraka. Ils sont en train d'enfoncer le clou totalement, l'équipe Sigma. Et ça va être la deuxième tour de base qui va tomber dans les secondes qui viennent. Ou alors, ah, le Zonia Soraka à nouveau, c'est terrible. Il a un Zonia permanent, c'est incroyable. Namu Prodigy, Zonia, je ne sais pas, mais utilisera son Zonia sur toutes vos engages. Et regarde, le Zonia qui est déjà mid cooldown, hein. ça c'est le passif sorcellerie de l'item support. On rappelle, c'est n'importe quoi. Hein, lorsque l'item support est maxé, chaque fois qu'un kill ou une assist est pris par le support, 40% du cooldown total de l'enchantement des bots est rendu, il peut donc littéralement Zonia deux fois dans un fight pourvu qu'il prenne trois assists. Clairement, il a peur de rien. Et puis c'est ce que je remarquais chez Sigma, on a vraiment confiance en cette Soraka, c'est-à-dire que même avec assez peu d'HP, on n'hésite pas à aller sous tour, à aller mettre le spell de plus. On sait que le heal arrivera dans le bon timing et on va essayer de sécuriser ce troisième dragon. Ils ont la position, les Sigma. Et malgré une quantité d'anti-heal assez conséquente, puisqu'il n'y a que Z qui n'a pas d'anti-heal, côté Scorp, on n'arrive pas malgré tout à faire la différence. Clairement, bon, ProGreedy ici au milieu du fight qui prend beaucoup de dégâts, il va peut-être tomber, attention, on va être obligé de mettre l'ulti Soraka. Effectivement, ProGreedy qui tombe, attention, il a beaucoup de gold, ProGreedy, mais est-ce que c'est SO qui va pouvoir revenir? L'ulti Garen qui est raté, la stas qui a été utilisée par Lucian, on est en plein dans la mêlée, l'ulti Camille qui va égarer tout le monde, c'est pas mal. On va aller sur Soraka, on s'attend au Zonia de la part de Soraka, il est là, le Zonia de Soraka, elle a 2 HP et demi, elle va tomber, non pas sans avoir mis un heal juste avant ça, et ça permet à Soraka de prendre un doublé, Kai'Sa pardon, et peut-être même un triple, c'est certainement pas Vi qui pourra la 1v1, on va la finir, et c'est un ace en faveur de l'équipe Sigma au moment de la réapparition de ce dragon. Bookie et Skiz sont encore là, ils ont back. Ah oui, ils sont encore là, ils étaient partis. C'est un pur 3 pour 3. Et on n'a plus le jungler des deux côtés. ProGreedy reviendra avant Smurf. En plus, ils ont la position. Il y a des waves à repush ici pour les Sigma, mais ils vont quand même tenter d'aller au contexte. On va voir comment ils vont pouvoir jouer ce 2v2. Bookie et Skiz face à Snyx et SO qui repartira avec ce dragon. Ouais, c'est pas mal, la Culling ici qui est un petit peu ratée, qui est pas mal utilisée en zoning. Je pense que pour les Sigma, on a tout intérêt à temporiser l'arrivée de ce Wukong.
Oui, totalement. Ce serait idiot de laisser une chance à nos adversaires de prendre ce dragon Wukong qui va arriver. Il va sans doute passer à travers le mur. Clairement, le dash, ah, le smite. Non, il a pas de dash. Il a pas de dash. Dans ce cas, il va pouvoir voler les Omega. Approcher le dragon, mais le dragon qui a récupéré tout de même par Kai'Sa sur l'engage de Z qui leur a fait un petit peu peur. Derrière Snyx qui va aller chercher. Il a loupé mécaniquement, malheureusement, sur le Lucian. On a réussi quand même à avoir ce dragon côté Sigma. On s'est fait un petit peu peur. Et là, c'est le moment justement de pas se faire retourner, de pas perdre trop de membres parce que le Nashor est, lui, à nouveau en vie. Et clairement, ici, le premier dit qu'il n'y avait pas son dash, qu'il a utilisé pour revenir un peu plus vite. Attention, Menem, là on s'est perdu pour Menem. Je pense que c'est terminé, je ne le vois pas survivre à ça. Il y a l'ulti Garen, le deuxième Q de Camille, et c'est terminé pour ce Renekton. Menem, un petit peu dans la tourmente cette game, hein, en 2-6, il a du mal à trouver sa place dans la game, et on ne l'a pas vraiment vu en split push, malgré le choix du Briscoq. Donc un build un petit peu schizophrène de la part de Menem. On a mis des points dans le split push, on n'arrive pas à s'y positionner. Peut-être qu'il aurait fallu faire un choix différent. Attention, en tout cas, il a du mal à trouver sa place pour l'instant. Ah non, c'est plutôt Kiddy qui est inquiété ici. Il va se faire one tap, la position trop avancée, pas de quoi réagir pour ses mates. Et SO qui est invincible, 13-4-8 pour lui. Et Smurf qui va se faire catch à son tour par Snyx. Il y a toute la composition Sigma qui arrive derrière, il va tomber à son tour. Non, avec le flash out, ouais, SO cultine, qui n'a peur de rien. Fogridi qui parle dans le chat alors que la game n'est pas finie. De l'autre. Je voyais du respect dans les deux équipes en début de partie. Là, je vois de l'impatience. Hein. Ça a été le cas pour Menem, ça a été le cas pour Kiddy Pet. Et là, maintenant, ça a été le cas du coup également pour Smurf. Ils sont impatients, la Team Scorp. Ils ne voient pas leur porte de sortie dans la game. Ils ont compris au niveau des compos que s'ils tentaient pas un petit coup de poker, ils n'auraient pas la possibilité de revenir dans la game et que de façon assez naturelle, l'équipe Sigma réussirait à gagner, ce qui se confirme par le Nashor qu'ils viennent de prendre de façon totalement gratuite. Et du coup, on cherche un petit peu à créer l'exploit côté Scorp, mais on s'enfonce malheureusement. Clairement, on a pris l'avantage. Deuxième baron Nashor ici pour les Sigma. 1 minute 40 de baron powerplay. Est-ce qu'ils vont pouvoir terminer là-dessus? Il n'y a plus qu'une seule tour qui maintient les Scorp Omega en vie. On va voir les pushs qui sont mis. On va appliquer ce baron sur 3 lanes pour les Sigma. Plutôt bien pensé. Renekton qui ne pourra pas tenir la Camille ici, malheureusement, pour les Omega. Quelques maigres inhibiteurs qui vont revenir. Qu'est-ce qu'on en pense des inhibiteurs, honnêtement? On est content. Parce que je trouve que quand ton late game est arrivé et que t'as pu scale et que tes inhibiteurs respawn, tu es content de pouvoir jouer au jeu sans les creep world boss. En tout cas, les scorps n'auront pas pu profiter énormément du repop de leur inhibiteur mid. Ah ouais, on va aller chercher à finir la game, je pense, côté Sigma. Hein. Ouais, on n'a pas peur. Est-ce qu'on va focus le Nexus? Non, on va même pouvoir se permettre de focus les kills. Et c'est terminé, 1-0 pour les Sigma. Très bien joué, effectivement, leur composition late game qui a tenu. Ils ont failli se faire emballer l'Irly, hein. Je pense que quand on va voir les golds, on va voir, il y a un moment où ils étaient derrière, où ça aurait pu tourner à l'avantage des Omega, et ça joue à pas grand-chose, mais ils ont su être solides. Grosse game de Progredi sur son Wukong, qui sera mort qu'une fois. Grosse game de SO aussi sur sa Kai'Sa. Un gros GG à eux. Ils ont déroulé leur plan de jeu, je trouve, de façon assez propre, hein, puisque c'était, on le savait d'avance au vu du draft qu'il allait avoir un avantage pour la Team Scorp en early, et que du côté Sigma, il fallait qu'ils n'aient pas peur de concéder quelques objectifs, de concéder quelques tours, de se laisser un petit peu en retrait en début de partie, tout en limitant la casse pour après avoir l'occasion de revenir. Et ils ont pas paniqué en fait, hein, ils ont concédé une tour par-ci, une tour par-là, un héros par-ci. Ils ont évité de forcer un petit peu trop les fight, ils ont pris un léger retard en début de partie, mais ça faisait partie du plan. Ils sont restés concentrés, et dès qu'ils ont eu les armes justement pour commencer à dérouler, eh bien ils y sont allés jusqu'au bout, et ça a payé pour eux. Clairement, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont parfaitement attendu le bon timing pour eux, et ça s'est très bien passé. À voir s'ils vont rééditer le même genre de draft sur la deuxième game, ou est-ce qu'on va vouloir tenter autre chose. Et eh bien justement, alors est-ce qu'on va tenter autre chose? Est-ce qu'on doit tenter autre chose? Est-ce que tu penses, toi qui connais bien les deux équipes, qu'on va revoir à nouveau un draft plutôt late game côté Sigma et un draft plutôt early côté Scorp? Ou est-ce qu'on va essayer de rebattre un petit peu les cartes pour essayer d'autres idées? Je pense que la Sigma peut repartir sur quelque chose un petit peu dans le même sens, quelque chose d'un petit peu plus late game avec du scaling, sûrement un enchanteur support, hein, c'est ce qu'ils apprécient le plus jouer, même s'ils traînent tout, on leur a fait jouer pas mal de tanks là en scrim et tout pour qu'ils bossent un peu. Tu m'étonnes. Et ils s'en sortent plutôt pas mal avec, mais voilà, leur cœur de jeu, je pense que ça reste l'enchanteur. Donc eux, je pense qu'on va revoir un petit peu la même chose avec peut-être ce qui peut changer, jouer strong side top au lieu de jouer bot sur une Kai'Sa. Et pour la Omega, eux, je pense qu'ils sont aussi capables de partir sur quelque chose de plus late game. L'Irly, c'est peut-être pas leur cœur de cible.
Donc à voir s'ils vont partir sur quelque chose de plus late game. Mais on nous annonce qu'on a un cadeau à vous faire gagner entre ces deux games sur le chat. C'est pour vous. Quoi, mais c'est fou. Qu'est-ce que j'entends dans mes oreilles? Une carte cadeau de 20€ Apple ou Play Store. Mais c'est magnifique. C'est quoi le jeu, Cocotti? Tu sais, toi? Eh bien, on va vous montrer 4 images. Une, puis deux, puis trois, puis la quatrième. Non. Et vous devrez, grâce à ces 4 indices, deviner le champion qui se cache derrière ces 4 indices. Attention, on rappelle que ce n'est pas un rébus. Ce n'est pas un rébus, ce sont 4 images indépendantes les unes des autres qui chacune représente d'une certaine façon le personnage en question. Je ne sais pas exactement comment on fait. On fait un tirage au sort entre ceux qui ont trouvé ou est-ce que ça se joue au premier? Oui, ça sera un tirage au sort entre ceux qui ont trouvé. Ce sera un tirage au sort entre ceux qui auront trouvé dans le chat. Sachant qu'il va falloir aller vite, puisque vous aurez, je crois, entre l'apparition du premier indice et la réponse, quelque chose de l'ordre de 30 secondes. Donc il va falloir aller assez vite, 30-40 secondes. Bon, vous verrez normalement qu'une fois tous les indices apparus. Effectivement, Shugurim, un champion de Wild Rift. Alors le premier indice, qu'est-ce que c'est? On a un appel, on a une croix rouge. Ça, c'est une girafe, ça, je reconnais ça. C'est une girafe. Les girafes qui, d'ailleurs, ont un long cou pour manger les feuilles qu'on voit dans la deuxième image. Évidemment. Les liens sont évidents. Oui, bah ça bien sûr, c'est quoi ça? On reconnaît ce très sont, bien. Ce sont les boucles d'oreilles, ce sont les donuts que lance Krillin, effectivement. Évidemment. Voilà. Ah, mais ça, c'est un pistolet. C'est Valorant, bien sûr. Valorant Mobile annoncé en direct sur le live. Sauf comme Hitman. Je vois des bonnes réponses dans le chat, je vois des mauvaises réponses aussi. Je vois des mauvaises réponses aussi. Mais qui cela peut-il être? Il y a des hésitations. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'était Senna, les amis. Le petit téléphone pour... Oh, et Fuka. Fuka exceptionnel qui remporte le skin. Un gros GG à lui, qui avait trouvé Senna, pas en premier. Il a trouvé tout seul, est-ce qu'il a volé la réponse? Félicitations à Fuka Suido. Évidemment, le premier indice, le téléphone, la croix rouge, appeler les secours, les supports. Le deuxième, la pluie, le mauvais temps, la brume quelque part. La troisième était presque une représentation de Senna lors d'une soirée de gala avec de belles boucles d'oreilles. Et puis le gros pistolet. Le côté support, le côté tireur, Senna qui peut occuper les deux. Effectivement. Et bien, GG à Fuka qui a trouvé. Et qui gagne 20 balles. 20 balles sur son téléphone, son smartphone, son Atel, son GSM, ou même sur sa tablette ou sur un émulateur si jamais il fait partie de ces fous dingos. En tout cas, 20€ sur Apple ou Play Store. Ou pas les deux, je pense. Je pense que c'est au choix 20€ Apple ou 20€ Play Store. Après, qui a les deux, encore une fois, des fous dingos probablement. Il y a des gens qui peuvent se le permettre. Ouais. Effectivement, je me souviens au début du jeu, quand c'était la bêta, avoir vu quelqu'un qui jouait sur PC via émulateur en mode clavier-souris à Wild Rift. Ça m'avait mis très bien. Il m'est moi-même arrivé un jour d'avoir dans ma corbeille à fruits et des clémentines et des mandarines, donc peut-être arriver, en réalité. Exactement, la draft qui va bientôt arriver dans à peu près 30 secondes. On va voir comment vont réagir les équipes. Est-ce que Sigma va confirmer et finir en 2-0 ou est-ce que la Omega va se réveiller, égaliser et nous offrir une Game 3? Hâte de voir ça. Il y a quelque chose d'autre qu'on n'a pas dit. C'est que c'était la toute première victoire de l'équipe Sigma dans cette compétition. Effectivement, c'est la première game remportée. Il n'y a donc désormais officiellement plus aucune équipe qui n'a gagné aucun match. Il reste une équipe qui n'a gagné aucune rencontre et c'est l'équipe Sigma. Pour renverser ce destin, il faudrait qu'ils gagnent la suivante, bien évidemment. Clairement. Et on va voir quels vont être leurs choix de draft pour cette deuxième game dans ce classico, l'Inter-SCP. Et on a choisi d'un côté comme de l'autre de rester du même côté. Ouais, effectivement. Et on aura autre chose à vous faire gagner à la fin de la game. Donc restez bien une fois que la game sera terminée. Restez avec nous, on a encore des cadeaux. Un Banakali. Ok, force Banakali, pourquoi pas. Quel est le plan derrière ça? Le plan, c'est de se concentrer pour gagner le panier garni, évidemment. Un Banguen. On va pas changer quelque chose qui n'a pas fonctionné en réalité du côté Scorp. Il va falloir changer quelque chose ou alors peut-être se disent-ils que leur draft était bonne et qu'ils ont simplement fait quelques petites erreurs qui leur ont pas permis de mettre en place leur plan de jeu. En tout cas, pour l'instant, mis à part l'ordre des bans, on est sur quelque chose qui est exactement similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure.
Comme on m'a toujours dit, le meilleur conseil pour progresser, c'est joue mieux. Effectivement, si tu joues mieux, tu es meilleur. C'est Donc facile à peut-être retenir en plus. effectivement repartir sur une draft similaire, mieux jouer avec des timings mieux saisis. C'est plutôt pas Non. mal. Le Olaf, rien de Ouais. nouveau sous le soleil, encore une fois. Complètement, complètement. Est-ce qu'on nous a remis la rediff de la game 1 en fait? C'est ça? Je crois pas C'est. parce que SO n'était pas en première position. Oui, effectivement, on ne sait pas pourquoi, mais ok. SO au first pick. Ah si, je sais pourquoi en plus. Parce que Sneaks a pas tous les champions. Et ils se sont pas tous Ah. ajoutés en meilleur ami. Hello Gragas, donc on est sur exactement les trois mêmes bans côté Côté Sigma. Sigma. Côté Scorp, le dernier ban, c'était. Galio avait été ban au deuxième tour. Je dois dire que je Mais ne m'en Garen. souviens plus. C'était pas Garen, puisqu'il a été Ouais, je joué. sais plus ce que c'était, mais c'était pas Il a Garen, été joué et ça a effectivement. fonctionné. Donc en tout cas, côté Sigma, on va être obligé de changer au moins ça. Ouais, après on a d'autres picks qui peuvent faire l'affaire, alors rien d'aussi efficace qu'un ulti qui t'exécute à 20% de THP, mais pour le côté tankiness, le côté front lane, on a des choses. On va repartir Et sur la alors, Camille, quoi qu'il arrive. Est-ce que cette classique. fois-ci, côté Scorp, on va garder le Wukong ou est-ce qu'on va à nouveau le laisser à l'équipe adverse? Wukong qui a Oh, fait une game Jax, plutôt solide. c'était C'était ça? Jax! C'était C'était ça Jax le le ban qui troisième n'était pas Garen tout à l'heure, ban? effectivement. Il y a eu aucune hésitation. Et la Jax et Karma, un Karma. enchanteur first au premier tour de pique. Effectivement, ça arrive. Karma qui peut être joué à PC. Karma, un pick assez. Karma, comment? Karma Gragas, deux picks phares de la Omega concrètement. Et du coup, ça annonce déjà peut-être pour l'équipe Omega une compo un peu moins early, un peu moins snowball et qui va un peu plus attendre de se mettre en place. Complètement, complètement. Alors que de l'autre côté, on reprend le Wukong. Wukong. Est-ce qu'on reprend le Galio? Ou est-ce que. Parce que là, du coup, ils avaient pick le Garen à ce Ils avaient moment-là de pris la draft la Garen et dernière Galio fois. avait été ban juste après, ouais. Est-ce qu'on va prendre le Galio cette fois? On pourrait se le permettre, hein, d'autant que la résistance magique offerte par l'ulti de Galio serait intéressante contre notamment cette Karma, là où tout à l'heure on était parti sur une full AD du côté Scorp. Donc c'est pas C'est idiot et c'est même Galio. presque évident. On Galio qui est va s'enfoncer. sécurisé. Ouh! Oh, sur ce ball, Ouh. ils sont lucides là-dedans parce que ça va pas être facile. Alors Ça va pas être facile. c'est peut-être une solution pour snowball la game et l'accélérer dès le début, qui est peut-être un petit peu plus simple à mettre en place que Zed, cela dit. Je pense que c'est une solution qui est prise là pour pouvoir snowball l'early, avoir beaucoup de dégâts, etc. Un peu à la manière d'un Olaf, quelque chose comme ça. Mais là, l'ici dans la trappe, c'est pas évident quand même. Galio, Wukong, etc. Le clone, la Avec Camille, tout Galio, ça. Wukong, Camille, trois personnages qu'on n'a pas envie d'envoyer dans son équipe, quoi C'est qu'il ça. arrive. Mais par contre, c'est quand même cool parce qu'on va pouvoir kick out la Camille de son ulti. Ça, Oui, c'est un bon ça c'est vrai. point. Alors que la prédit démarre, à vous de miser vos wild coins. Est-ce que vous êtes pour le 2-0 Sigma? Est-ce que vous êtes pour l'égalisation Omega? Et merci à Guster pour le raid avec un groupe de 10 personnes. Merci beaucoup. Ah, Gugus. Incroyable. Des cœurs dans le chat, des cœurs dans nos mains, des cœurs partout. Et un ban Varus. Un Van Varus qui n'a Varus qui est été ni pas pick ni du ban à commun. la game précédente. Là, on a un draft qui change assez peu. Qu'est-ce qui, selon toi, motive ce ban? C'est une bonne solution AP, je pense, quand même, pour la team Sigma qui en manque, qui va être plutôt fort en teamfight avec tous les CC de Wukong, de Camille, ça combote assez bien, je pense que c'est un Ah, et excellent ban. le ban Soraka. Le Le ban respect, man. Soraka, je pense que le traumatisme est encore réel. Il va falloir quelques temps pour digérer un petit peu ça, pour trouver des stratégies pour apprendre à contrer ça. Mais on s'est senti un petit peu impuissant à la game précédente. Et même si du coup on va laisser open quelque chose bah, comme Nami par exemple, au moins la Soraka, on se dit que là, tout de suite, maintenant, on n'a pas la réponse. Clairement, clairement, est-ce qu'on va préférer les forcer à se mettre sur un autre enchanteur? Est-ce qu'ils vont quitter ces enchanteurs et mettre le Galio support? Le ban Nautilus. C'est une Je pense pas qu'on bonne reverra Braum, question. honnêtement. Il n'a pas réussi à avoir de l'impact à la game précédente. D'autant qu'avec un ban Varus, on n'a pas forcément besoin non plus du bouclier pour bloquer le poke. On n'a pas réussi à mettre en place le combo Braum-Lucian. Donc peut-être partir sur une duo lane D'accord. un peu moins agressive, mais qui aura plus d'utilité en Ouh. teamfight plus tard. Et un Ok. Yone, donc ce serait une Karma APC probablement. Ouais, ou elle peut encore être support aussi. Avec moi je pense qu'un C'est Lucian, vrai. le retour du Lucian pourrait être pas mal. C'est un champion que je trouve assez fort. Oh bah du coup en face le Lucian, logique. Eh oui, en face, et je pense que c'est Lucian dans Et la Yone Nami, de mid. Nami Prodigy, évidemment. Effectivement, c'est dans le Pourquoi se nom. priver? C'est dans le nom, c'est dans le nom. On a un Lucian Nami qui est plutôt bien drafté. Du coup, ça va être le Galio au mid. Parce que Lucian mid dans Yone, c'est très fort, je crois. Donc je me suis dit peut-être Lucian mid, mais en fait non, on va juste jouer Strongo bot avec un gros Lucian Nami. On a une excellente compo du côté des Sigma. Là où ça me paraît un petit peu plus compliqué du côté Omega,
On a Jax, on a Ezreal, on a Yone qui demande un peu de temps pour scale, alors qu'on a le Lee Sin qui est très early. Donc est-ce que c'est le Lee Sin qui va permettre d'accélérer peut-être plutôt le Yone avec du roaming, de la Karma, etc. Mais du coup, est-ce que ce Ezreal ne va pas se sentir un peu seul face au Lucian Nami? C'est ça, côté Omega, on a un petit peu moins de cohérence, on a un peu plus de fortes individualités, on va dire. Le Jax qui va pouvoir split push, qui va pouvoir peut-être même tenir des 1v2. Lee Sin et Yone qui vont essayer d'accélérer la game très tôt. Ezreal qui va être safe dans son coin, qui sera un petit peu l'assurance vie de l'équipe en mettant du poke continu, en étant là pour ramasser, en pouvant pile pour lui-même et du coup ne pas avoir besoin de la Karma. Voilà. Qui elle pourra s'occuper de Jax, s'occuper de Yone. Là où en face, on a vraiment une volonté d'y aller tous ensemble, d'avoir une grosse boule de la mort comme ça, avec un Wukong qui arrive, Galio qui tombe du ciel, la vague, Lucian, piou. Ici, un plan de jeu, excellent. En tout cas, côté Omega, c'est de ne pas rester groupé. Le plan de jeu qui va leur permettre Omega, de faire ouais. ça, cela dit. Ça va être en fait qu'ils vont vouloir trouver des petits catch pour snowball, etc. Et derrière assurer ce late game avec leurs picks qui sont très très bons. Mais de l'autre côté, oui. on a un team fight qui est exceptionnel où les 5 picks synergisent ensemble. Si on arrive à mettre ça en place, à catch quelqu'un, à prendre un petit peu d'avantage, ça va être vraiment destructeur et on pourra absolument pas répondre dans le 5v5 pour Omega. Donc il va falloir avoir confiance en Lee Sin, jouer avec lui, jouer en fonction de ce qu'il peut faire pour qu'il mette bien les carrés Omega. C'est exactement ça, hein. Lors de la première game, on a eu vraiment une équipe axée early, une équipe axée late. Là, on a une équipe axée teamfight et une équipe axée plutôt escarmouche, plutôt split push, plutôt création de chaos. Donc, à nouveau, quelque part, ça va être à l'équipe Omega de réussir à ne pas laisser la Team Sigma poser son jeu. Clairement, on est parti sur une solution moins early, mais on a un petit peu les mêmes conditions de win. Côté Sigma, on va vouloir scale, on va vouloir trouver les bons teamfights, tandis que du côté Omega, on doit mettre du rythme, on doit faire des choses avec ce Lee Sin, mettre des golds sur les carries. La petite Ward Corbin qui va directement être clean par Triz. Il a le temps. Et on va décider à nouveau de mettre une certaine forme de respect, hein, puisqu'on aurait pu, décider de partir à 3 quelque part avec Jax, Lee Sin, Yone. Pour essayer d'aller chercher directement un First Blood, d'aller style la jungle, de commencer directement ce snowball. Il n'en sera rien. On repart avec du respect d'un côté comme de l'autre. Ils sont dans le respect, effectivement. Celui-ci, un ami qui a directement l'avantage sur la botlane face à Ezreal. Pas de surprise. Pas de surprise. J'ai hâte de voir comment ce match-up va se dérouler. Skiz qui a été plutôt fort sur Yone, hein, qui a été top 1 du champion pendant un bon moment, si je dis pas de bêtises, en novembre. Donc ça commence à dater un petit peu, mais clairement il connaît. Snix de retour sur sa Camille dans le 1v1 contre Menem. À voir. C'est deux top laners que je m'attendais à vraiment vouloir fight le 1v1 et qui n'ont pas trouvé de solo kill à la game d'avant. Est-ce que ça va être le cas ici? Menem qui avait presque réussi à prendre le meilleur sur Snix avec son Renekton tout à l'heure, mais qui n'avait pas réussi à transformer l'essai. Renekton qui est vraiment un personnage qui est très très fort en early, qui retombe un peu dans la game et dont le but ça va être de snowball le suffisamment pour retomber le plus tard possible. Finalement, la game précédente, il est retombé très très vite. Là où avec Jax, on a quand même une courbe de progression qui est un petit peu différente et donc on va pouvoir un petit peu challenger cette Camille pendant un peu plus longtemps dans la game, si ce n'est jusqu'au bout. Complètement. Jax en plus qui est un champion qui profite très très bien du nouvel item amarante, mais attention pour Menem ici qui doit dash out. Alors soyons raisonnables, qui ne profite pas du nouvel item amarante à partir du moment où c'est joué sur des Jinx et des Vayne, je pense. Je pense que l'entièreté des champions du jeu en profite bien, mais Jax c'est encore mieux. Oui, Jax c'est encore mieux parce que son ulti, qui est un des ultis les plus décevants visuellement du jeu, souvent les gens demandent est-ce que Jax a même un ulti. Son ulti, la seule chose qu'il fait, c'est augmenter son armure et sa résistance magique, donc boosté d'autant plus par amarante, ça devient vite quelque chose d'assez costaud. Complètement. On se meurt qui va se faire attraper avec le flash de Triz. Malheureusement, il n'avait pas le mana, je pense, pour lui mettre le taunt dans la foulée. Ouais, il a dû attendre un peu. Il l'a mis, peut-être une erreur mécanique ici. Je crois pas l'avoir vu partir. Hein. Ouais, si, moi il me semble que je l'ai vu partir, mais peut-être que je me trompe. Ouais, Smurf qui se fait manquer de respect dans sa jungle. Attention, c'est quand même un flash in de Nami, mais on va toucher la bulle sur cette Karma qui doit reculer. Et on est obligé de concéder ce blue pour les Omega. Et le buff bleu sera volé. Progridi qui est très content de retourner sur son Wukong. Il a été plus que convaincant à la game précédente. Il s'est chauffé mécaniquement, il s'est chauffé sur le champion. Attention à pas se sentir trop chaud et à pas se sentir dans la game précédente, cela dit. Revenir sur terre, se remettre de ses émotions et pour l'instant il s'en sort plutôt pas mal. Il a toujours du mal à passer à travers les murs avec ce clone. On a eu un problème au dragon tout à l'heure. Hein. Ouais, effectivement. Smurf il va lui mettre un Q ici, mais on n'a pas le Ezreal, on n'a pas la Karma pour réagir. Mais par contre on a la pression mid. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être faire quelque chose en réponse dans le bot side de la jungle de Progridi?
En tout cas, Progredi, il a un axe d'amélioration. Déjà, il aura appris quelque chose sur ce BO. Il faut qu'il aille train en mode entraînement, le Wukong, pour savoir quel mur passe ou pas. Mais il y a l'idée, au moins. Non, mais regarde, il y a une réponse sur ce Blue, là. Progredi, qui va arriver. Est-ce qu'il va le dash, celui-là, de Wall? Est-ce qu'il va y arriver? On va voir. Ouais. Ah non, ah, il a pris la plante. C'était la plante. En tout cas, on va ulti immédiatement sur la Karma. La vague qui arrive, c'est obligé de flash out par Karma. Va se prendre le deuxième ulti de Wukong. Est-ce qu'on peut aller la finir, l'arrivée de Camille? C'est un premier kill en faveur de l'équipe Sigma. On va aller chercher le deuxième. C'est proprement fait. 2-0 en faveur de l'équipe Sigma qui, une fois de plus, établit son plan de jeu correctement et prend l'avance dans la game alors que c'était plutôt Omega qui voulait prendre de l'avance. Ouais, clairement, le flashing curling droit dans tes dents de SO qui est excellent. Tomber ici, mais ça se joue à très peu. Et elle se complique déjà cette game pour les Omega. 1000 gold de retard. Un red buff qui va être volé ici par Progredi. Qui dit qu'il ne pourra rien faire pour empêcher ça. On les sent en confiance, hein, les Sigma, sur cette game. Ouais, clairement, ils jouent avec confiance. Ils s'avancent. Ils n'ont pas peur d'aller dans la jungle. Ils ont des timings où ils sont très très bien synchronisés. Bookie qui vit l'ennui. Ouais, Bookie qui farm, hein. Bookie qui est en top laner cosplay, on se croirait sur League of Legends. Oh, le stun ici qui va être esquivé par Snyx avec son ulti qui gagne complètement sur 1v1 contre Menem, qui avait utilisé son ultime, qui gardera quand même son flash. Ah, et gagné ou pas, je sais pas, parce qu'il a utilisé son Ignite, Jax va aller manger quelques fruits, va trouver un moyen de régène, et derrière c'est lui qui aura un petit peu plus de pression, puisque lui aura ses sorts d'invocateur. Il a le Lee Sin avec lui qui va l'aider justement à faire bounce la wave. Non, ça n'arrivera pas puisque le Lee Sin décide de back. Et on est au moment de l'apparition des deux premiers objectifs neutres. À voir si à nouveau on a un accord de gentleman ou si on essaie d'aller stackiner un petit peu plus cette fois-ci. Bah, je pense que malheureusement pour les Omega, on a déjà 1000 gold de retard. On a Menem qui a pas pu reset, donc on va devoir accepter ce gentleman agreement. On n'a pas de position quelque part ou quoi. Et non, il n'y aura pas de gentleman agreement parce que regarde, Lee Sin, il est parti sur le héros, mais cette fois-ci, ça va être contesté. Ça va être très clairement contesté. Il va les voir arriver et le contest sera assez simple finalement. Alors il y a toujours une possibilité pour Smurf d'aller chercher un steal, ça reste risqué. On va vouloir contester le contest ici, hein, les Omega, là ils sont en place, ils veulent y aller. Oh, Smurf ici qui trouve le steal. Le smite steal de SCP Smurf, magnifique. Allez, on remet nos cams 2 secondes sur ce smite steal. Il l'a eu, ça c'est sûr. Pardon, je tousse. C'est revenu et on est revenu directement sur un kill de Lucian sur le Lee Sin justement. So qui devrait réussir à s'en sortir, l'Ignite, le heal de Nami qui va lui permettre de s'en sortir, la bulle de Nami à nouveau, il fait le taf Nami Prodigy, il va donner un tout petit peu sa vie par contre Freeze pour essayer d'aller chercher le kill. Excellent. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais ça grid Ouais, on s'est chauffé. C'est ce qui s'appelle plus communément chauffer. Alors que Skiz va tomber aussi sur cette ulti Camille qui dit qu'il n'aura que ses yeux pour pleurer. Dommage là, mais on voit que Menem a la pression ici. Il faudrait peut-être aider les collègues. Menem, allô, Menem, allô. Bon, tant pis. C'était probablement call, je prends les plaques, c'est risqué d'aller essayer de te sauver, je t'aurais peut-être pas, je sais pas. Ouais. Dans tous les cas, le dragon qui est engagé immédiatement par l'équipe Sigma, c'est dommage parce que Scorp, ils ont volé le dragon, ils pouvaient la jouer safe derrière, ils ont voulu aller chercher un petit peu plus et ils sont un tout petit peu empalés là-dessus. Smurf, est-ce qu'il va réussir un deuxième steal? En tout cas, il est en position. Non, pas de deuxième steal. Ça a été smité par Wukong. Et du coup, il a mis cet Herald au bot qui va servir à rien. C'est ce qu'on appelle plus connément en review un Herald de merde. C'est un terme très technique, okay. Je comprendrais que vous ne le compreniez pas. Ok, il va prendre. J'ai menti. Ah, ils vont prendre Bookie aussi. Mais par contre, ils prennent la tour. Prend deux plaques, on prend probablement une troisième plaque. 7 minutes, non, ce sera pas une plaque. La dernière n'est pas une plaque, c'est une simple tour. Progredi qui va essayer d'aller choper ces deux petites personnes. Mais on arrive à s'échapper. Bien joué de la part de Kidia avec le lien ici qui a été très bien mis. Il a pas pu progredir ici, aller chercher le kill sur ce pauvre Yonet. Allez Menem, il faut finir le travail, ça a coûté cher à ton équipe, ton entêtement sur cette tour, va jusqu'au bout, voilà c'est fait. Cela dit, à 7 minutes 30 de jeu, à nouveau dans ce moment du temps mort, l'équipe Sigma qui a une avance un petit peu plus considérable qu'à la game précédente. On n'est qu'à 1000 gold d'avance, mais 8 à 3, il y a une pression psychologique en tout cas qui est mise par l'équipe Sigma qui commence à être un petit peu significative. Clairement, mais ça je n'ai de cesse de le répéter, comptez les golds quand vous êtes back et vous verrez que vous n'avez pas tant de retard parce que ça c'est leur spécialité à la Omega, de filer des kills en early et d'être pas trop mal, c'est ça. Ils se disent on est derrière, on peut rien contester, on peut pas fight, ils concèdent tout et ils perdent parce qu'ils n'ont pas joué. Donc là j'espère qu'ils sont au courant, qu'ils sont pas tant derrière que ça. Là c'est quand même, là c'est un petit peu ambitieux mon cher. Parce qu'ils vont pouvoir follow up l'ultinami qui part de loin mais qui y va, qui est excellent, qui dit qu'il va se faire complètement one shot, et Menem qui devrait avoir le même sort.
ça court au dive ici, Nami qui va couper la rotation avec une bulle. Est-ce qu'il va pouvoir toucher? Ouais, c'est pas mal, il le force à faire le step back. Est-ce que Menem va quand même suffisamment slow, le flash qui est forcé. Et du coup, Smurf, malgré son style presque héroïque du dragon, non pas du... Attends. Du Herald, du Herald. C'était un héros, j'étais en train de me dire, ils ont pas de dragon. Qui peine un petit peu à réussir à snowball la game. Il est en 0-3, le pauvre, 0-3-1. On est de retour. L'histoire de ce BO, c'est un petit peu un pick early du côté d'Omega qui fonctionne pas en fait, puisque le Z tout à l'heure a pas su trouver sa place. Là, c'est autour du Lee Sin. Est-ce que la stratégie du pick early pour snowball la game fonctionne pas côté Omega, ou est-ce que les Sigma sont particulièrement efficaces pour contrer ça? Clairement, on voit Smurf qui a du mal à s'exprimer ici, qui meurt sur des timings où il va peut-être un petit peu loin. Je pense que quand on avait Smite Steel, l'Herald, c'était déjà suffisant, on pouvait laisser le dragon, pas besoin d'aller tenter un Smite Steel encore forcément. Parce que là, effectivement, c'était la solution early de cette équipe Omega, et en fait, il se retrouve, il n'a pas d'argent, il se fait carjacker la jungle. Ça va être plus compliqué pour lui de trouver sa place, là. Il va falloir même qu'il fasse une transition pour partir sur quelque chose de plus tanky, et servir de support, servir d'engage. Clairement. Mais il n'aura jamais les dégâts pour aller réussir à 1v1, un carry derrière, il est dans une situation bien bien compliquée. Il a toujours la possibilité d'être présent pour style des objectifs, cela dit, avec la mobilité de son personnage. Et cette fois-ci, le héros qui ne sera pas contesté, puisque Skiz a réussi à attirer 4 adversaires contre lui. Clairement, on joue groupé hein, pour les Sigma, on n'a pas peur, quitte à laisser Sterald, qui va peut-être être utilisé au mid. Non, il n'y a pas besoin, la tour va tomber. Et là, c'est Snyx qui est un peu perdu avec le flash out. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose pour les Omega? Ça va être demandé à tout le monde d'aller très très loin. La récupération de Triz, qui bon va monter. On a très bien réceptionné ce Jax, qui va tomber. Menem, qui offre son corps à la science. Bookie, qui est forcé au flash out. Suite à cette killing, pour Riddick, il arrive avec un explosion. Il va essayer de s'approcher pour mettre un ulti. Le bon kick, le premier de la game. Ouais, à nouveau presque un petit goût de trop peu de trop tout court pour la team Omega, qui prend un bon move et derrière un tout petit peu trop loin. Excellent ce qu'ils font ici les Sigma, d'aller chercher dans la jungle, de ne pas laisser Smurf revenir. Il a aucun gold le pauvre, il peut absolument pas jouer, tant de camps qui se sont fait voler par la composition Sigma. Le Briscoq qui vient d'arriver sur Menem qui était encore il y a 30 secondes en 0-0-0 une tour. Effectivement, lui qui a push. Là, il va pouvoir jouer le side. Il va récupérer un petit peu d'avantage sur cette Camille. Alors encore, faudrait-il face la Camille et pas le Lucian Nami. Parce que là, c'est Skiz qui va se faire surprendre et je pense qu'il va pas pouvoir faire grand-chose. Non, lui, ça va être Camille compliqué qui pour utilisé, lui. Le Z, le Q. Il prend énormément de dégâts. Le taunt qui est parfait. Ok, flash à out. Très bien timé. Il s'en sort. Son flash est très bon. C'est pour ça qu'il s'en sort. Bien joué à lui. C'est Bookie peut-être au final qui a un petit peu les clés là, il approche les 8000 gold, il a tous les kills, il va avoir son deuxième item, attention Bookie avec les clés là, il faut reculer. On va pas se mettre trop devant, le taunt qui va pas passer, cela dit la culling de Lucian qui va aller jusqu'au bout avec l'ignite, non il mourra pas. Si. Il meurt si, il si. Meurt à l'ignite, incroyable. Il est tombé, oh, Smurf ici qui fait des petits moves. Mais oui, effectivement, Bookie, on attend avec impatience sa trinité. Ça va être effectivement, on le disait, un petit peu la caution late game de cette équipe. C'est lui qui va peut-être permettre à cette équipe de tenir un petit peu dans les fights pendant que Jax se split push. Par contre, on a un souci au niveau de Skiz, c'est que lui, il n'a pas les armes pour lutter contre le split push de Sigma. Ah bah là, malheureusement, il peut pas jouer le pauvre Skiz. Hein. Il vient d'avoir son deuxième item. Alors, on a même qui fait des choses en side, c'est très intéressant. Surtout que pour l'instant, c'est pas défendu par les Sigma. Donc, s'il arrive à prendre ce kill, ça sera très bien. Le flash wave de Nami Prodigy qui va pas aller toucher. On est très très agressif de la part de cette Nami. Hein. C'est pas la première fois qu'on les voit flash in. Mais par contre, regardez là, ce Jax qui a un null breaker. La Camille en a aussi. Et du coup, maintenant, il se fait déboîter malgré les golds d'avance. Il a un petit peu du mal. C'est lui qui est obligé de reculer. Alors que Snyx a pas de HP. SO qui va arriver ici. Tiens, Menem devrait vraisemblablement tomber. Ok, avec peut-être un peu de chance, il peut réussir strike. À trouver quelque chose exhaust. Sur SO. Non, il y a l'exhaust. Il y a une exhaust, la chance ne suffira pas. Et pendant ce temps-là, le dragon qui avait été récupéré par Sigma. Effectivement, très bien joué de leur part. Quand tu gagnes bot, top et mid, t'as quand même une vie qui est sympathique. Ce Galio qui est parti full AP, hein, très peu de tankiness pour lui à part ce bâton séculaire. Mais ils peuvent se permettre avec l'avance qu'ils ont, ils n'ont pas besoin particulièrement de tanking. Ils prennent le pari, qui est un pari pas très risqué, hein, justement, d'enfoncer le clou, justement, de mettre de la paix sur ce Galio, de s'assurer des fights plus faciles. Et tant qu'on ne prend pas des fights en sous-nombre et qu'on se positionne bien, ça devrait le faire. Voilà, la
que ligne de SO qui fait très peur aux joueurs Omega à chaque fois. Smurf qui dash out, Aurélie qui va aller chercher loin, il en a pas peur. Là, l'ulti Galio il est plutôt bon parce que ça va leur permettre de tanker la tour. Ok, personne n'a tanké la tour pour Aurélie, mais il a survécu quand même. Il a très peu d'HP, l'ulti Yonet qui peut être excellent, c'est peut-être pas top pour récupérer quelque chose. Est-ce qu'on peut finir? Yes, le deuxième kill qui est pris, Bookill malheureusement qui va se donner. Le Zonia, c'est bien fait. 3 kills à 1 en faveur de la team Omega, c'est la première fois qu'ils nous font un beau move et on a un replay. Clairement, on voit ça pour Greedy qui a tank la tour ici, qui a pas attendu que sa team la prenne pour lui. L'ulti Astrid qui est excellent parce qu'il va toucher toute la composition. L'ulti Yone en follow-up qui met énormément de dégâts. SO qui va tomber des dégâts de Bookie et qui met une stase parfaite pour survivre au HP Pixel. Peut-être le comeback ici pour les Omega qui reviennent à seulement 5000 gold de retard. Attendez, mais on m'avait pas dit qu'il y avait des replays, mais la qualité de la production explose de semaine en semaine. Où est-ce qu'on sera dans 3 semaines? C'est exceptionnel, c'était très propre. Félicitations à la prod. Je sais qu'il y a du boulot derrière. Hein. Effectivement, on bosse des petits pré-shows aussi les lundis. Alors, il n'a pas été cette semaine à cause de quelques soucis techniques, mais n'hésitez pas, dès lundi prochain, à retrouver le pré-show. On vous résumera la semaine qui vient de se passer avec d'autres petites chroniques. On va essayer de faire plus court, plus concis pour que ça soit plus agréable pour vous. Donc, n'hésitez pas à revenir nous voir lundi prochain pour le pré-show. Mais avant ça, la fin de ce BO entre Sigma et Omega. Et la fin, peut-être pas. Hein. Peut-être pas parce qu'ils ont repris du poil de la bête, les Omega. On a toujours ce Jax qui menace en solo lane, qui tient la Camille, l'air de rien. Et pendant ce temps-là, l'arrivée de Galio, l'arrivée de Wukong. Et effectivement, c'est compliqué de tenir le 4v4 pour le reste de l'équipe. Triplé de Lucian. Waouh! Ça, c'est des dégâts qui dit qu'il était mal placé ici, qui s'est fait complètement catch. Et derrière, on a pu enchaîner. Attention, SO a quand même pas mourir. Ce serait dommage de donner un shutdown. Il a failli mourir sur le retour du E de Yone. Mais derrière, c'est Free Baron. Yone ne pourra pas contester. Menem est au bot. Est-ce qu'il peut peut-être obtenir un inhibiteur en se faisant respecter face à cette Camille? Il a l'air d'essayer. Il prend son démolish. Il flash out. Et oh, il dash it. C'est beau! Oh, comme il se rit de lui. Oh, les mouvements très, de très ce beau travail de Menem là-dessus, hein. Ouais, il va tomber, mais il a clairement fait son travail de side. Il a récupéré un inhibiteur. À voir si maintenant les Omega vont pouvoir gérer ce Baron Nashor avec leur Lee Sin qui a pas une thune. Bah écoute, les lanes sont suffisamment push pour eux pour que dans tous les cas, il faille un certain temps pour l'équipe Sigma pour amener justement ces sbires buffés Nashor jusqu'à leur tour. Ce qui fait qu'ils n'auront pas un temps énorme pour exploiter ce Nashor, ils vont peut-être prendre une ou deux tours intérieures, mais à mon avis, à moins d'une grosse bêtise et à moins de se donner côté Omega, et c'est peut-être ce que Smurf est en train de faire, et il se donne Smurf, ils vont réussir à aller chercher ces tours d'inhibiteur, effectivement. Ouais, il a voulu X-Sex Lucian ici, mais il a pas pu. Là, c'est dommage de la part de Smurf. Il faut tanker la tour hein, pour pas que le creep meure là pour les Sigma, parce que la wave est loin et on peut prendre l'inhibiteur tranquillement. Ah, et là, il y a un boulevard, puisque justement, ils pouvaient se permettre de tempo leur Nash, de pas perdre grand-chose. Smurf a tenté, est-ce qu'on peut lui reprocher? Pas forcément, mais en tout cas, il aura, pour le coup, pas réussi à trouver sa place dans cette game. Clairement. Oh, c'est pas mal, le bump ici, il va pouvoir follow-up avec l'ulti, mais il se fait one-shot, ouais. C'est pas qu'il y a trop peu de points de vie, c'est qu'il y a trop de dégâts. Oui, c'est dans l'océan. C'est relatif, effectivement, c'était gouverné un petit peu par l'énergie du désespoir, et là de l'espoir il en reste plus beaucoup. Est-ce que Smurf a un kick? Est-ce qu'il peut sauver quelque chose? Ça paraît compliqué. Il a un kick, mais qui va pas sauver grand chose. Victoire des Sigma dans ce BO, 2-0 pour eux. Ils décrochent leur première victoire dans cette CLF. Gros GG à eux. Ça a accéléré très fort sur la fin de la partie. Est-ce que tu sais, mon cher Nikaido, si on les retrouve en interview? Je sais effectivement très bien qui est invité. Ne bouge pas. Est-ce que vous pouvez aller le chercher, le Cocotti? Je te laisse animer. Je reviens avec mon joueur à interviewer. Bah c'est parfait. Bah, je me demande. Pardon, Nikaido, excuse-moi. Parfait. Bah, je sais pas, pour moi, s'il y a un MVP à choisir, il faudrait qu'il soit entre les joueurs de l'équipe gagnante qui ont été pour le coup tous les 5 assez solides. Est-ce qu'il va y avoir une préférence de la part du chat? Il y a un poll qui est en train d'être préparé. Un poll, hein, le mot anglais pour dire un sondage évidemment. Sondage anonyme, rien à gagner, mais votre avis nous intéresse, donc allez-y, n'hésitez pas. Alors qu'on va recevoir un des joueurs, j'imagine, de l'équipe victorieuse. Alors, je ramène mon belge préféré, puisque c'est Progridi qui va nous rejoindre.
Wukong, il y avait la Keisa qui a fait une très bonne première game, mais tu cherches quoi? Tu cherches des joueurs à mettre pour MVP? MVP pour cette game? MVP Bah pour cette pour game, moi, c'était Nami, Wukong, Camille, Lucian. Galio, Lucian. Voilà. Tu peux mettre les 5 Voilà. normalement en plus, je crois, dans les sondages. Il est où Paul? Ça, c'est une vraie question. Moi aussi, je vais mettre mon petit vote, j'ai mon petit avis. Je pense que ce Lucian a fait une très grosse game, notamment le moment où il a fait Ah. manger la Keling dans les dents du Yone. J'ai un petit faible personnellement pour Nami Prodigy qui, sur l'ensemble du BO, pour moi, a été très impressionnant, notamment sur sa Soraka où il a fait totalement tourner en bourrique ses adversaires, au point où il a poussé un ban Soraka. C'est peut-être le premier ban Soraka qu'on aura vu de toute la compétition, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois qu'on n'en a pas vu d'autres. On avait vu des bans un petit peu étranges, mais pas, je crois pas de ban Soraka. Pour le coup, il Je aurait crois pas été de ban game 1, le Soraka. ban, on l'aurait trouvé étrange, là, on l'a trouvé plutôt justifié. Clairement, clairement. C'est Progredi. Je vous avais envoyé le pseudo normalement la dernière fois. Monsieur Wukong sera avec nous. J'avoue que c'est Progredi le MVP pour ses superbes dashes de wall là, qui était splendide. On va pouvoir lui demander un petit peu là ce qui s'est passé. C'est lui qui vient. Il a été mécaniquement le plus impressionnant, effectivement. On a pas vu de. Il n'y a pas eu énormément de moves qui vont rester particulièrement en mémoire. C'était globalement des moves d'équipe qui étaient très beaux. Moi, je retiens quand même sur la dernière game, à la fin, le Jax qui outplay la Camille en la poussant d'un côté pour aller finir la tour. C'était Clairement. très joli. Ouais. Mais les quelques petits outplays mécaniques qu'on a vus, je pense, étaient peut-être plutôt du côté de la Omega. Mais le collectif Sigma était Oui. excellent et ils ont peu raté aussi mécaniquement hein, Ils ont en fight. vraiment joué sur le collectif, là où. Côté Omega, on essayait plus de chacun apporter notre pierre à l'édifice sans forcément trop de cohésion. Bah, on l'a vu bah, notamment avec Menem à la dernière game, qui va pas aider ses alliés en prenant la tour. Est-ce que c'est une volonté d'équipe ou est-ce que c'est lui? En tout cas, il avait un plan de jeu, c'était d'aller vers la tour et on lui reprochera pas qu'au moins il a suivi son plan de jeu jusqu'au bout. Écoute, c'est vrai que sur ça, on peut pas lui reprocher. Je lui demanderai un petit peu en review, là, savoir ce qui s'est passé, pourquoi on n'a pas voulu aider le jeune Kiddy avec sa karma. Ou même Smurf, hein, qui était au blue, je pense qu'il aurait pu. En fait, c'est dommage parce qu'il avait le push sur cette action. Et c'est la Camille qui a apporté le surnombre, qui a pu décaler avant lui. Alors que la wave allait crash, il aurait pu largement suivre cette décale. On va voir, on va attendre que le jeune Progredi arrive. Ouais, tu lui mets les rôles, c'est ça, et il va arriver? Ok, je lui ai dit, normalement je lui ai indiqué où c'était, il devrait rejoindre, il a les rôles, on va accueillir Progredi bientôt. Et du coup, au niveau du classement, on se retrouve désormais avec 4 équipes à une Mais victoire pour 3 défaites, à égalité totale. je suis en train de me demander si on n'a pas même 5 équipes à une victoire, puisque la Shonen qui devait jouer ce soir, qui n'a Ah, pas pu dis-moi. malheureusement, je crois qu'ils sont à une victoire aussi. Et bienvenue Progredi! Eh merci, comment vous allez? Eh ben écoute, ça va bien et toi, tu dois bien aller aussi après cette victoire. Comment t'as senti un petit peu ces games là, comment vous avez abordé la chose? Bah écoute, on est bien content parce que là, niveau draft, on a bien fait ça. Lors des dernières games, on avait mal travaillé nos drafts, on va dire. On n'était pas assez bien préparé, etc. Là, on a un peu réfléchi. On joue pas assez souvent le Wukong, hein. On peut voir que le Wukong dans la méta est Clairement, overkill. clairement. À part Donc, les dash de wall, on a vu du oui, full dash elle est de wall. là, c'est vrai que Il je sous-estime un peu sa portée. J'aime bien les faut, murs, mon faut gars. être bien collé au mur. Ouais. Ouais, il faut être bien collé au mur, effectivement, et tu dois bien te mettre au milieu du mur, en fait. Tu passes pas partout. Eh oui. Mais voilà, manger du caillou de temps en temps, un petit mur dans la face, ça fait pas de mal, hein. Ouais, clairement. Puis est-ce que, enfin, je pense que vous êtes content d'avoir pu sortir votre playstyle avec des enchanteurs, etc., de voir que ça fonctionnait bien. Rokkills, Nami Prodigy qui fait 2 grosses games sur ces enchanteurs. C'est plutôt vers ce vers quoi vous voulez vous diriger pour l'avenir ou vous vous préparez à jouer tous les plans de jeu? Ben, on aimerait pouvoir jouer tous les plans de jeu, c'est quand même mieux parce que enfin, forcément ça joue beaucoup souvent, enfin on peut voir dans les scrims, dans les tournois que ça joue souvent du côté top, tu vois. Mais après on voit que le côté bot peut très bien marcher. Ouais, Là clairement. on était plutôt content que ça ait marché, surtout que bah, la bot lane, ça, on a fait des scrims, ça passait pas, nanani, ça tiltait un peu. Oh, on a vu ça en warm-up, Bah voilà, donc ouais. forcément.
Bah voilà, donc forcément là le fait que ça passe, tout le monde est super content. So il a fait deux bonnes, il a fait deux bonnes games. Le support il a fait deux magnifiques games aussi avec, avec Sasuraka. À un moment il a mis une voile sur le kick de Lee Sin. Le Lee Sin il a rien dû comprendre à Ah sa ouais, vie. ok, je l'ai pas vu ça. Ouais, ça nous est passé à côté, effectivement. Ça a dû être très Ouais, bizarre, ça. le Lee qui met un kick et t'as Soraka qui met une voile sur So. Et t'as So qui comprend pas pourquoi il fait ça. Et t'as So qui arrête de jouer pendant 2 secondes en se disant rien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bug, les gars, remake. Un Non, en tout cas, ben, un gros GG à lui, de toute façon, à Hawkins, puisque c'est lui qui a été élu MVP de cette dernière game avec Sanami. Je l'ai vu flash in deux, trois fois, j'ai tressailli, mais pas lui. Ah non, effectivement, on a bien joué autour de cette botlane, c'est ce qu'on voulait. Là, on a réussi. Bon, il y a encore quelques erreurs, quelques fails, hein, les dashs dans les murs, des bêtises comme ça, peut-être des petites rotations, mais sinon, on était plutôt contents. Clairement, Des clairement. bonnes games, et première victoire de cette CLF, ça fait un peu du bien au moral aussi, on commençait à désespérer. Et Voilà, puis contre JL. vous passez virtuellement de dernier à quatrième ex aequo quelque part, donc ça fait une belle progression en un match. Bah, c'est surtout quoi, ouais, c'est une belle progression et ça fait super plaisir, sachant que notre dernière game contre JL s'est passé à des petites erreurs. On avait l'Elder où ça a merdé un petit peu, on aurait pu win, on aurait pu prendre le Clairement. 1-1. Donc ça nous a démoralisés. Alors là, prendre cette victoire, quoi, qu'est-ce que ça nous fait du bien de passer quatrième comme ça. Et on est vraiment confiant pour les matchs à venir. Clairement, clairement. Bah d'ailleurs, en parlant de confiance pour les matchs à venir, c'est quoi votre objectif un petit peu là pour la saison régulière? Donc, on sait que le top 6 qualifie pour les playoffs, mais est-ce que vous visez peut-être un petit peu plus haut pour avoir un meilleur seed ou top 6 vous serez déjà satisfait et on se donne rendez-vous en playoffs? Bah écoute, déjà si on peut être dans les playoffs, on sera bien content. Mais effectivement, si on pouvait viser le top 3, bon, il y a encore beaucoup de boulot, on essaie de travailler, on travaille tous les soirs, voilà, on fait des reviews, on fait des scrims, on s'entraîne, on fait énormément de boulot. Si on pouvait viser le top 3, bah ça serait magnifique, quoi. Bon, on a nos coachs, hein, on a nos coachs qui travaillent beaucoup avec nous ces derniers jours. C'est Hein, bien. bah, il y a toi, il y a François, il y a Cool. Voilà, ça travaille énormément avec nous, c'est trop trop bien. Et du coup, oui, si on pouvait aller chercher ce top 3. Ça ferait énormément plaisir, mais bon, si on est déjà qualifié pour les playoffs, ensuite on donnera tout ce qu'on a pour le reste, hein, pour la suite des playoffs. Clairement, clairement, ben c'est ce qu'on disait. On a donc cinq équipes qui sont à une victoire. Donc Lascorp, vous, Shonen, Aziri, Wapicien. Cinq équipes à une victoire pour trois places en playoff. À voir qui va prendre le dessus, qui va sécuriser sa place. Merci à toi, Promedy, pour l'interview. Gros GG à vous encore pour ce soir. Et on vous retrouve, c'est quand votre prochain match? La semaine prochaine. Ouais, sûrement, mais quand? Est-ce que c'est lundi? Est-ce que c'est mardi? Ouais, je regarde. Vous jouez mardi face à Wapicien, donc encore un BO qui devrait être serré. À Ouais, voir c'est pas si vous plutôt allez pouvoir sympa. développer votre jeu. Voilà. Ben, en tout cas, un grand merci à vous. Merci pour ce cast, etc. Bon, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas suivi. Mais... Ah Ah, ouais? bon, de C'est toute moi façon, qui moi, dis je des vais regarder. bêtises? Hein, on va regarder. Et bah écoute, on verra qu'avec notre manager de toute façon qui s'occupe de tout ça. Donc voilà. Mais de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, que ce soit lundi ou mardi. Hein, donc Oui, voilà, de toute façon, on va vous retrouver encore des BO à jouer. Et voilà, un gros GG à vous. Des un bisous, grand Promedy. merci Et et merci j'arrive, de toute à façon. vous. Allez, ça Bougez va, une pas. très bonne soirée. Bonne soirée, Bonne merci soirée beaucoup. à vous, merci, merci. Bon, je crois qu'on avait un cadeau à faire gagner, non? On en a déjà fait gagner pas mal. Ouais. Encore des cadeaux? Est-ce que tu penses qu'il mérite? Ah, cette Ah, fois-ci, c'est bon. Purge qui régale. La carte cadeau, c'était Purge. Et les Et skins, maintenant c'est que la c'est faille nous qui sauvage. régalons. Bon, D'accord. qui veut un skin là? C'est quoi? On spamme un mot? Allez, Cocotti qui va nous choisir un Oui? mot pour participer à ce tirage au sort. Un mot que vous allez spammer. On rappelle, on a eu Moule, on a eu Dora, on a eu plein de choses. Cocotti, à toi. Prodigy. 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 Prodigy sera le mot à spam. Pour gagner un skin, allez-y dans le chat. Spammer le MVP. On va vous donner Ah, j'aurais pu donner le le nom d'une de signal mes pour spam. émotes, Ah, ouais. ça. Ça m'aurait permis d'identifier. Le coco twerk. Tu as un coco twerk? Figure-toi que le coco twerk a été renommé coco chien Ah, d'accord. parce que Twitch m'a supprimé l'émote au motif que twerk n'était pas un terme adéquat. D'accord. Voilà, ça faisait 1 an et demi qu'elle était là, l'émote, et puis les D'accord, règles ont d'accord. changé. On ne dit pas twerk. On ne On le ne dit dit pas. pas twerk, Non, non. Enfin, d'accord. ne l'écrivez pas en tout cas.
C'est Twitch, sinon vous Alors que bannira. Jap, il a toujours son Jap Twerk qui est quand même bien, bien plus explicite que ce mignon non, petit chien. Je pense que tu es. Allez, c'est parti officiellement. Vous pouvez allez-y. Spam. Allez-y. Prodigy, PRODIGY. Le vainqueur gagnera un skin de son choix. Ah, pas de son choix. Non, pas de son choix. Oh, ça sera alors, le vainqueur gagne un skin aléatoire et il s'engage à devenir OTP de ce personnage et de ce skin pendant une semaine, sans quoi on n'en offre plus. Après, c'est bon, ça. Sinon, on punit toute la classe. Moi, ça me dérange pas. Je l'ai déjà mon bac. S'il a Nami et qu'il joue jungle, il va me faire une semaine de Nami jungle. C'est pas mon problème. Rien à faire. Il apprendra à jouer support et il aura une nouvelle compréhension et un nouveau respect pour ses alliés. Et il arrêtera de dire, de toute façon, le support worth pas. Non, mais en vrai, sub gap. Hein. En vrai, quand le sub, quand elle a, tu joues top, tranquillement. Et tu vois pas débarquer quoi? Un gros set support sur ta lane? C'est sub gap. Ça fait tout drôle. Sub-gap. C'est sub gap, on pouvait pas le voir venir. Il y avait vraiment aucune chance que le support qui a disparu depuis une minute, il soit top. Pas comme on aurait pu deviner. En tout cas, ça spam Prodigy dans le chat. Pas besoin de mettre le point d'exclamation, hein, sinon ça ne sera pas pris en compte. Oh, ah oui, donc il y a un paquet de personnes qui vont devoir recommencer. Hein. Oui, mais ça va, ils ont un petit peu de temps. Je vois Bidaboubou qui met des points d'exclamation terribles. Je participe. Moi, c'était pendant la Ziri Cup, j'avais participé pour donner l'exemple, j'ai remporté un skin. Je participe et si je gagne, je le remets en jeu et j'en offre un en plus. Wow, le gamble le gamble, c'est fou. Trichez pas sur le tirage au sort. C'est fou, hein. c'est fou. Mais vas-y. C'est le bot qui fait tout. Oh, on a confiance au bot ici. Hein. Ouais. Je vais demander à mon bot ce qu'il en pense. Vous pouvez leur faire confiance, ils sont clean. Ok, nickel. C'est exceptionnel, bon. C'est bon. C'est bot confiance. Validated. C'est bot validated. On va voir encore quelques secondes. Pour participer, n'hésitez pas. Prodigy dans le chat. PRODIGY. En tout cas, j'espère que la soirée, que le BO vous a plu. Je m'étais habillé plus beau que j'ai pu. Un plaisir d'avoir cast avec toi, Cocotti, pour la première fois. Plaisir partagé. C'est vrai que c'était la première fois qu'on castait ensemble. C'est la première fois qu'on se parlait même, hein, si on oui, est tout c'est à ça, honnête. C'est ça. On se connaissait exactement. Pas. Bon, on a encore nos marques à prendre. Ça a été remarqué par le chat. On s'est un petit peu marché dessus par moment. Mais l'énergie était là et j'espère que le spectacle était aussi au rendez-vous et qu'on a pu rendre ces games le plus vivantes possible pour vous et que vous avez effectivement passé une excellente, même si assez courte, soirée malheureusement. Effectivement. On a eu quoi? On a eu un petit peu plus d'une heure, mais bon, on a rigolé. On a eu une interview aussi, ça super cool. C'est la deuxième fois qu'on a pu avoir une interview, donc ça c'est trop bien quand les joueurs peuvent venir s'exprimer aussi, donner leur point de vue, parce que nous, bah évidemment, en game, il y a des choses qu'on rate, etc. Troisième interview, pas deuxième, pardon, j'en ai raté une visiblement. Pardon, j'arrive plus à m'exprimer. L'Eurolite. On va bientôt arrêter. On va bientôt tirer au sort. Bon, c'est Zephyr qui l'emporte. Zephyr qui gagne un skin. GG à lui. Il peut contacter en DM Nikaido pour obtenir ton code ou alors il va te l'envoyer directement. Ok, non, contacte-le bien en DM, comme ça il t'envoie le code que tu pourras rentrer après. Ah bon? Ah, on me dit qu'en général, on n'oublie pas d'MP Nikaido pour récupérer les skins. Étrange. Et ben voilà, je pense qu'on en a, on en a terminé. On va se retrouver donc lundi, comme je vous disais, pour le pré-show. N'hésitez pas à suivre sur Twitter, le Twitter de la faille sauvage, pour être au courant, mais normalement on devrait lancer aux alentours de 20h. J'espère que vous avez apprécié cette semaine de CLF en notre compagnie et que vous reviendrez nombreux la semaine prochaine. Merci encore une fois à toi, Cocotti, pour ce soir. Effectivement, n'hésitez pas à aller follow Cocotti. C'est quoi ta chaîne Twitch? C'est Cocotti? C'est Cocotti, KOKO2TI, comme c'est écrit exactement. Attends, j'essaie d'être précis ici. Juste là. Hop. Non, dans l'autre sens du coup. Là-bas. Quasiment tous les soirs à partir de 22h, l'émission s'appelle la Solo Queue, le seul en moins. Et le but, c'est de se coucher, se mettre dans les bras de Morphée gentiment avec moi qui essaie de réaliser l'exploit de jouer à League of Legends et de rester calme et sympathique tout en jouant vos personnages préférés. Mais c'est fou ce que t'arrives à faire, rester calme et sympathique en jouant à League of Legends, c'est rare ça. Il y a de nombreux secrets mais je peux pas les révéler, c'est breveté. C'est rare. Et puis même pour moi, n'hésitez pas à venir follow AlanMax7485. Je vous ai mis un petit message dans le chat, je stream quand je peux. C'est beaucoup moins régulier. C'est-à-dire que des fois, vous allez me voir me pointer l'après-midi, je joue à Valorant, le lendemain, je joue à Wild Rift, on fait plein de choses. Donc n'hésitez pas à venir lâcher un petit like. Avec le bonnet?
Pas toujours le bonnet. Le bonnet c'est pour le casse, parce que bon. En casse c'est important de représenter. Je viendrai quand il y aura le bonnet. Bon, demain je mets le bonnet. Si je stream demain, il y a bonnet. T'as gagné un bonnet. Et abonnez-vous. Moi je pense que il faut s'arrêter là-dessus. Je pourrais pas faire mieux. Il faut s'arrêter là-dessus. Je pourrais pas faire mieux. Passez à une bonne soirée à tous. Merci à vous dans le chat pour l'engouement que vous générez. Merci à la faille sauvage pour la régie, pour les ops, etc. Le replay. Et on se revoit lundi. Et les replays. J'ai vécu un rêve. Allez, des bisous tout le monde. Bonne soirée. Des bisous tout le monde et à la prochaine.